Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part ça va très très bien. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc là vous voyez on est sur Google. Je vais vous montrer comment avoir des ensembles pas chers, des maillots et pas chers, et comment customiser le maillot de votre chaîne ou customiser votre maillot tout simplement. Donc vous allez dans la description, il va avoir le nom du site, enfin l'adresse du site. Minjersey, c'est un site vraiment très très fiable, vraiment des maillots qui coûtent pas cher. Donc là, si vous descendez, donc là on est à l'accueil. Si vous descendez un peu, déjà vous voyez qu'il y a des nouveautés: Atlético, Everton, Tottenham, Deportivo, Roma, Barça. Ça je connais pas, c'est Liverpool, Torino. Donc déjà 14$, 24$. Donc tout à l'heure, moi je suis allé à plus de foot, je regardais le maillot de Paris, il faisait 70€. Enfin, que le haut, il faisait 70€. Et là, si vous regardez bien, mais c'était que le haut, 70€. Donc là, déjà, tac, attendez, tac, tac, ça va rentrer. Voilà. Déjà, un seul, il fait 34$, ce qui fait 30€ à peu près. 29€, 30€, si je me... un truc comme ça à peu près. Et là, c'est le haut et le bas. Déjà, que le maillot faisait 70€. Alors que là, c'est 35$. Alors, je vais vous montrer comment le customiser. Donc, vous êtes là, vous avez Customize Name and Number or Patch. Donc, vous êtes là. Vous allez mettre, par exemple, 1AM. Voilà, OK, vous, non. Vous rentrez, vous allez avoir ça. Print Number, Squat List. Squat list, c'est par exemple si vous voulez floquer le nom d'un joueur, par exemple Mbappé. Donc vous, derrière le maillot, il va être floqué Mbappé 29. Mais si vous voulez mettre votre nom, vous pouvez le mettre. Donc moi, ça va être par exemple le Turco, voilà. Et le numéro, ça va être comme apparaît. Alors on va mettre 93, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre ça. Sinon, chose patch, c'est ce qui est à droite du maillot. Par exemple, la Coupe du Monde 2018. Là, pour Paris, il y a la Ligue 1 et la Ligue des Champions. C'est ce qui est à droite du maillot. Enfin, sur la manche. Voilà, par exemple. Enfin, par exemple, vous allez mettre 2M. 2M, voilà. Vous aurez 1, 2, 1, 2. Enfin, ça, c'est pour le premier. Et ça, ça va être pour le deuxième. Donc là, je vais vous montrer comment avoir un maillot à vous, enfin qui sera qu'à vous. Donc vous allez dans Custom Uniform, vous appuyez dessus, vous descendez, et là vous avez des maillots de couleur. Donc vous avez Nike, vous avez Adidas aussi, enfin Adidas 501, Adidas 1602, 1601. Voilà, vous choisissez, par exemple, moi, je vais choisir le noir. Nike noir. Donc vous voyez qu'il fait 30$. Donc voilà, hein, c'est un maillot comme ça. Quand vous allez dans Custom Name and Or Patcher, Or Patch, voilà. Donc là vous avez un truc pour mettre un logo. Par exemple, moi là je vais mettre Upload, je vais mettre mon logo. Voilà. Et là sur le maillot il va avoir mon logo. Ça c'est bien. Enfin, je trouve que c'est quand même bien fait. Après, voilà, là, c'est le sponsor qui est au milieu du maillot. Par exemple, vous allez, je sais pas, moi, Beansport, par exemple. J'invente. Ouais, donc, close. Enfin, ça, là, le sponsor, il est trop petit. Donc, je le cale à peu près là. Je sais pas s'il va avoir les bordures blancs dès que ça va venir. Enfin, je vais pas le commander. Après, là... Vous pouvez mettre pour 1$ de moins, je crois. Print the website logo to save 1$. Le logo de Minjersey à droite. Donc moi, je vais le mettre, par exemple. Après, on va appuyer sur Next. Voilà. Là, alors là, vous allez choisir la couleur de votre nom et votre numéro, enfin le chiffre. Moi, je vais mettre en blanc. Après, là, vous allez choisir votre police. Donc moi je vous conseillerais, si vous achetez un maillot Nike, de mettre quand même Nike.
Parce que là, vous voyez Adidas, Manchester, ça Adidas, voilà. Maintenant, quand même, ça fait quand même un peu plus stylé. Après, là, c'est le nom en bas ou le nom en haut. Je préfère le mettre en haut. Là, si vous voulez avoir le logo sur le chiffre. Donc, moi, non. C'est quoi ça? Non, moi, je veux pas. Ça, c'est si vous voulez mettre le nom d'une équipe derrière. Enfin, team name, voilà, si vous voulez mettre un truc. Par exemple, voilà, donc on va faire ça. Donc, pour choisir ce que vous allez mettre derrière, enfin, le nom et tout ça, par exemple, on va faire 1M. Non. Attendez, 1M, voilà. Donc, vous allez faire comme tout à l'heure. Vous allez choisir votre nom, le Turco, voilà. Et le numéro 13, voilà. Après, vous allez faire ADD to Shop Cart. Ça va l'envoyer dans votre panier. Voilà. Tac, tac. C'est bon. Donc, ça l'a envoyé. Donc, moi, j'avais déjà un truc. Donc, j'ai commandé mes maillots. Enfin, je vais les commander maintenant, là. Mais voilà, ce maillot-là, mais sans le truc Beansport, j'aime pas avoir de. J'aime bien quand c'est pro, quand y a rien, quand il n'y a pas de sponsor. Déjà, il va falloir vous créer un compte si vous voulez acheter des trucs. Enfin, c'est 100% fiable, les gars, c'est un truc de fou. Si vous voulez leur parler, là, leave message si vous voulez parler à des gens. Comme ça. Sinon, si vous voulez leur mail, il est ici. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, sinon. Pouvez avoir n'hésitez pas à aller chaque jour voir dans les nouveaux arrivés parce qu'il y a des sales maillots. Ouais, par exemple lui là c'est une âme Puma, voilà, lui il tue ce maillot, il est vraiment tarpin beau. Par exemple lui aussi. Donc après voilà, j'allais vous parler de ça aussi. Si vous faites plusieurs achats, eh bien vous allez avoir des fois des choses battues ou des choses à moitié prix. Par exemple, moi, ça m'avait proposé à 75 $ d'achat. Il m'offre un truc comme ça. Enfin, un short où il y avait le maillot du Barça, celui de cette année aussi. Donc, vous avez ça, Discount Jersey, voilà. Je pense que là, on a fait le tour. Hein. Donc, là, vous avez Kids pour les enfants. Voilà. Uniforme, custom uniforme. Apparel, voilà. Donc vous avez même les maillots de je sais pas des équipes par exemple la France et tout ça, vous avez leur maillot. Donc je vais faire juste un tour dans la ligne, je vais voir un peu ce qu'il y a. Bon, il y a rien. Bon ben les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Il y a même commentaire et faire un tour chez Min Jersey. Donc c'est pas un placement de produit pour l'instant, non pas du tout. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter, à faire un tour à Min Jersey et peace.